It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fly than this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Get that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip. Drip, drip. Pull up and I'm loading the clip. Gros baiser, va. Ok, je t'ai pas vu venir. Quant à Jaden, toute sa vie, il s'est entraîné pour devenir un bon ranger rouge. Alors maintenant, il veut prendre du temps pour savoir ce qu'il aime vraiment. Il a envie d'apprendre, à mieux se connaître. Mais il y a fort à parier que, même si aujourd'hui ils se séparent, un jour, ils se retrouveront. Rangers tous unis! Samouraï pour la vie! Au final, même si c'était pas parfait, il y a quand même énormément de choses que j'ai vraiment aimées. Après, est-ce que ça suffit vraiment pour compenser tous les moments où la série fait n'importe quoi? Non. Oh, je vais tout baiser. Oh, ils ont tout niqué. Oh merde, le Power Rangers rouge. Non. Fais chier, mon enfance, wesh. Eh, l'histoire des Tortues Ninja aussi, faudrait qu'on la regarde, c'est incroyable. Attendez, mais il fait tous les trucs des histoires des dessins animés. Attends, moi je veux Galactic Football. Mec, l'histoire complète de Galactic Football! L'histoire de Beyblade! Oh là 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 là! Inazuma, oh là là, non mais Inazuma, on est obligé. Non mais les gars, Inazuma, on est 10 scandales dans les cartoons assez sombres. Non mais les gars, Inazuma, on est obligé. Là, j'allais vous parler, j'allais vous dire, les gars, Inazuma, c'est incroyable! Et moi, c'est pour ça que je m'appelle. Merde, Axel Blaze, pardon. Moi, c'est pour ça que je m'appelle. Blazix, les gars. Les gars, Axel Blaze, wesh. Code Lyoko. Code Lyoko, moi, vous savez que j'ai jamais aimé. Code Lyoko, Miraculous, Ten Titan. Ah, mais en vrai, il est chaud, wesh. Je fais que des vidéos sur ça. C'est vraiment une. Oh mon dieu. L'histoire complète de foot de rue en 12 minutes en plus, hein. Oh là 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 là. La chute du roi du quart. Oh, vous vous souvenez de ça? Mes parrains sont magiques! Waouh! Mes parrains sont magiques, wesh. Non mais les gars. Est-ce qu'il y a des mecs qui ont la rêve de ça? Mes parrains sont magiques. Aïe 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 aïe. Les 10 meilleurs moments d'Axel Blaze. Coucou tout le monde, c'est Yuki. J'espère que vous allez tous très bien. Moi personnellement du mien. N'oubliez pas. Non, c'est juste des moments de l'animé. Non mais les gars, Axel Blaze les gars. C'est pas le perso qui a le plus de flow all time. Se dégage le ballon de la main directement sur Axel Blaze. Regardez. Oh, tornade de feu. Il avait trop de flow ce mec. Oh, oh là 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 là. Non mais les gars, Axel Blaze si les je mecs. Je n'ai pas le droit de le décevoir. Voilà comment trampoline du tonnerre. Les gros sofas, wesh. Zarma, c'est un gros, donc c'est un trampoline. Mais wesh. Mais wesh. Mais c'est une dinguerie de faire ça, les gens. Mais je vais tout baiser, wesh. Non, mais Mark Evans, il est trop claqué, les gars. Mark Evans. Ah ouais, je sais plus comment il s'appelait lui. Oiseau de feu. Oh là 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 là. Mais même Mark Evans il lâchait des frappes. Tornade de feu. Oh aïe 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 aïe. Mais les gars, c'est le meilleur animé all time. Mais les gars, c'est trop le meilleur animé, je vous jure. Moi, quand j'étais petit, Inazuma, je pense que c'était mon truc préféré. C'est une nouvelle super technique. Et d'ailleurs, il y a pas longtemps, j'avais commencé Kuroko no Basket, c'est incroyable, hein. C'est pareil, mais en mode basket, et c'est mieux fait. Oh là 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 là.
la terre. Wakfu, ah Wakfu moi j'aimais pas, mais j'ai joué à Dofus beaucoup. Putain les gars. Ouais Kuroko c'était pas mal hein. C'était vraiment... Je la détestais de ouf. C'est quoi ça? Ces cartoons, j'ai même pas besoin de vous donner leur nom parce que vous les connaissez déjà. Et j'imagine que vous savez aussi qu'il y a autour d'eux des secrets bien moins glorieux. Que derrière ces images d'apparence colorée, on trouve une réalité plus sombre. Mes parrains sont magiques, ouais. Vous ne le saviez pas? Ok, alors je vais revenir un petit peu en arrière histoire que tout fasse sens. Mes parrains sont magiques. Voilà, vous l'attendiez, je l'ai dit. C'est un véritable colosse de l'animation. Rendez-vous compte, il est tout de même resté 16 ans sur nos écrans. 16 longues années à nous faire rire et pleurer. Qui peut dire qu'il est plus marqué une génération que lui? Là, 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 c'est de la... ça c'est de la vidéo. Hein. Là, installez-vous confortablement. Là, on est heureux, les gars. Je sais que je prêche sûrement des convaincus que ça, vous le saviez déjà. Mais il me semblait juste à l'égard de tout ce que cette série a fait pour nous, de lui rendre ses lettres de noblesse. Avant de, malheureusement, commencer à plonger pour voir la face immergée de l'iceberg. C'est très bien tout ça, mais il y avait bien deux dessins animés en début de vidéo. Alors, est-ce que vous avez reconnu le second? Personnellement, il m'a plus touché que le premier, désolé. C'était Danny Phantom, bravo à ceux qui l'ont reconnu. Pour les autres, c'est simplement un ado capable de se transformer en entité spectrale et qui combat des ennemis fantomatiques. Mais regardez les gars, c'est ça que j'ai vu comme tweet ce matin, c'est pour ça là, je suis parti dans ce genre de react. Parce que regardez ce que j'ai vu ce matin comme tweet. Non mais les gars, tu rentrais de l'école genre vers 16h30, à 17h t'avais Gully Good. Gully Good. Au sommaire de Gully Good, du fun. À 17h45, Beyblade Metal. Ah, le programme de fou! À 18h10, Galactic Football. Ah là là! À 18h40, Corneille et Berlin. Oh là 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 là! Tout de suite, des locataires bizarres, ce sont les engins de l'espace. Putain, les gars! Gully Good, le meilleur du good. On n'avait aucun problème, les gars. Pas aujourd'hui, mais ça recommence demain. Non, mais les gars, Gully quoi. Gully, bordel de merde. Gully, wesh. Les gars, Gully, wesh. Y'a jamais eu mieux que Gully dans la vie. In the boîte, les mecs. La nuit, y'avait... Non mais rendez-vous compte. Le soir, t'arrivais, y'avait Beyblade, Galactic Football, Corneille Bernie, les Zinzins de l'espace. Ensuite, t'avais In the boîte, genre vers 19h. Ensuite, c'est l'heure de manger, t'avais la météo de Gully. La météo de Gully, frère, à l'heure de manger. Mes parents, ils pouvaient plus regarder Catherine Deneuve, ils pouvaient plus regarder la vraie météo, c'était... Listerine et 5... C'était ça, les gars, obligatoirement. Voici la météo. La météo de Gully, de bon non 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 non, te dis si il fait beau. Aujourd'hui, ou de la pluie. Youhou. Salut les amis, bienvenue chez Tobo, le singe météo. Et voilà la météo. Situé en Île-de-France, les gouttes de pluie croiseront le soleil. Oh là 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 là, les mecs, le souvenir de fou. Après, le soir, t'avais des films un peu merdiques sur Gully, par contre. Mais, tu sais, des films un peu pour enfants, genre Mathilda. Bon, Mathilda, c'est bien, mais t'avais un peu des films de merde, genre... Tu sais, des trucs avec des yinches, genre des enfants qui s'attachaient grave à un yinche et tout, là. Et après, la nuit, les gars, à partir de 1h du matin, t'avais Total Wipeout. Oh là 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 là. Total Wipeout, les mecs. Total Wipeout, frère. What's up avant les films, c'était quoi, what's up? What's up? C'est quoi? What's up, W-A-Z-U-P, c'est le nom de l'émission préférée des enfants, des adolescents. Bah wesh. Bah attendez. Ça me dit rien. Gully présente. Ils sont vraiment forts. C'est arrivé plus tard vers 2014. Mais les gars, 2014, j'étais déjà en prison. J'avais déjà mon permis. Oh, les gars, vous êtes cons ou quoi? Vous croyez que j'ai votre âge ou quoi? 2014, j'avais déjà ma première entreprise. Je fumais de la beuh, frère. Mais qui pète un câble. Ah, 2014, j'avais quel âge? Ben non, 2014, j'avais 12... ouais, 12 ans. Vous trépignez ouais, la non, mais si, 12 ans, j'étais vieux, frère. 12 ans, tu regardes plus les dessins animés, hein. À 12 ans, ouais, tu commences à... Ouais, 12 ans, tu commences à aller dehors. Mais non, 12 ans, t'es au collège, frère, tu regardes plus Gully, frère. Bah oui, t'es en 2002, ouais. Chance en attendant l'émission de toutes les tendances et des infos insolites. Ah, c'est bon, on est là. Au sommaire de What's Up aujourd'hui, un joyeux bricolo, le retour de héros, une légende ah, et une idée... Ah, les chipmunks aussi, les gars, les chipmunks, c'était quelque chose. Hein. Attends, Gully, le zap, il y avait un truc. Il y avait un truc... Il y avait un truc, genre le zapping ou un truc comme ça, là, où il mettait que des trucs drôles.
Gulligood, putain. Le rendez-vous trop good. C'est ouais, les gars, j'ai pas connu ça, What's Up. Moi, j'étais trop vieux. Gulligood, à suivre sur Gulli. Ah, mais ça, Gulligood, les gars. Gulligood, que vous le vouliez ou non, personne ne dépassera Gulligood. Ouais, il y avait un essai de ne pas rire aussi sur Gulli. C'est bon, c'est good, c'est Gulligood. Au sommaire de Gulligood, du fun. À 17h45, ah, mais c'est ça. C'est ça qu'il a mis sur Twitter. Fusion. À 18h10, Galactic. Ouais, c'est ça qu'il a mis. Non, mais ouais, les gars, sur Gulli, il y avait trop de trucs. Hein. Putain, ils étaient vraiment forts. Hein. Ils étaient vraiment forts, ces bâtards. Programme de la nuit 2018. Attends, 2018 ? Ah oui, d'accord, mais on est... Ouah, ça a changé. Ah, mais j'aurais mettait ça ? Ah oui, parce que la nuit, il n'y avait rien ! Mais oui ! Et du coup, il mettait rien, il mettait juste ça. Mais moi, après, les gars, quand j'étais petit, c'était vraiment ma chaîne préférée, c'était ça. Mais après, les gars, ça, c'était une chaîne. Déjà, elle était payante. Ça dépendait chez qui t'étais. Et Nickelodeon, les gars. Nickelodeon, les gars. Ça, c'est un truc d'Anyens. Moi, ouais, Disney Channel. Ouah, Disney Channel, ma gueule. Moi, les gars, je regardais plus Nickelodeon que Gulli. D'ailleurs, Gulli, c'était vraiment les dessins animés quand j'étais plus petit. Tu vois, Gulli, c'était vers mes 6-7 ans, genre en primaire. Et après, à partir du collège, moi, c'était Nickelodeon. Je regardais. Non, mais les gars, là, je vais vous sortir des refs. Là, je vais vous sortir des refs de baiser. Là, les gars, je vais vous sortir des refs. Dans 5, 4, oh là là. 3, 2. Oh là là, oh là là. iCarly, frère. Alors, c'est là que tu enregistres iCarly. Eh oui, et la télé est prête, tu peux choisir ton programme et regarder tout ce qui te fait plaisir. D'accord. Mais en fait, ça, Nickelodeon, c'était que des trucs d'Américains. Genre, personne ne regardait ça en France, tu vois. C'était pas hyper connu en France, enfin maintenant, je me rends compte que si. Mais c'était beaucoup plus connu aux États-Unis, Nickelodeon. Tiens. Donc chercher. Déjà, iCarly, c'était exceptionnel. Ensuite, deuxième dessin animé que je regardais à la mort. Mais je pense, bah d'ailleurs, c'est mon dessin animé préféré quand j'étais petit. Je me souviens, quand j'étais petit, mes parents, ils m'ont fait une chambre, tout en Bob l'éponge. Genre, tout était en Bob l'éponge et tout, même la peinture et tout. Bob l'éponge, les gars, c'était mon dessin animé préféré. All time. All time, je pense, c'est mon dessin animé préféré. Bob l'éponge, Carrie. Oh, attendez, faut qu'on se regarde le... Prêt les enfants? Oui, capitaine! J'ai pas entendu! Oui, capitaine! Oh. Les pâtés de crabe, les gars! Les pâtés de crabe! Je me souviens d'un épisode où vous vous souvenez, il avait eu une spatule mécanique qui se tournait et tout. Oh là 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 là, Bob l'éponge! Bob l'éponge! Les gars, c'est le meilleur! Bob l'éponge! S'il y a jamais eu mieux que ce dessin animé, je suis prêt à le jurer. Les gars, c'est trop. Après, les gars, ceux qui sont nés après 2005, je pense que vous connaissez pas. En vrai, c'est... Bob l'éponge, c'est genre de 1990 à 2003, quoi, à peu près. Ma sœur, en fait, ma sœur, elle regardait énormément Bob l'éponge et du coup, elle m'a... En fait, moi, les gars, en gros, faut savoir que j'ai beaucoup de rêves d'anciens parce que, les gars, j'ai une sœur qui est née en 1993. Donc, elle avait, bah, 9 ans de plus que moi. 1993, les gars, elle m'a fait connaître tout. Elle m'a fait connaître que des trucs d'Anyens, tu vois. Genre, moi, quand j'étais petit, les gars, au collège, quand vous écoutiez Booba, Rof Caris, j'écoutais MC Solar, j'écoutais Eminem, j'écoutais trucs comme ça, tu vois, trucs d'Anyens. Donc, t'as capté? En gros, j'avais que des rêves d'Anyens. Mais ça m'a foutu la mort, parce que du coup, j'ai pas connu le prime de Booba, j'ai pas connu le prime de Rof et tout. Donc voilà, mais Bob l'éponge, les gars, ma soeur regardait H24 qui regarde les gens. J'ai vu un truc que maintenant nos générations elles regardent, parce que je me souviens à peu près quand j'avais 15 ans, je me suis reposé un jour sur Gulli et j'ai vu que maintenant les trucs, les enfants ils regardent ça, genre. Ils regardent ça. Ils regardent Robocar Poli, frère. Les gens, bah vous, ça va être typiquement votre génération. Là, tous les gens qui sont nés genre en 2004, 2005, 2006. Vous avez tous vu ça. Vous avez tous vu ça, vous le connaissez. Bien joué, les amis. Ça, vous connaissez à 100%. Très bien, rien à se. Bah oui, je vous rappelle un souvenir. Parce que je me souviens, moi, quand j'avais genre 13-14 ans, je me dis, mais putain, nous, on a connu des vrais dessins animés. Qu'est-ce qu'ils regardent, eux? Et eux, et vous regardez ça un peu. Le matin, genre ça, c'était... Ça, tu vois, c'était sur T'es Fou, genre vraiment à 7h, genre. À 7h, t'avais ça. Miraculous, oh, Miraculous, quelle honte, frère, c'est trop de la merde.
Et ben moi les gars, tous les jours, putain les souvenirs les gars, mais le... Putain, je me souviens, tous les jours je me réveillais, mon père il venait me réveiller, il me faisait un bol de céréales, j'allais devant la télé, je regardais un épisode de Bob l'éponge et j'allais en cours, frère. J'allais au... genre en primaire. Oh là, plus petit, genre Bob le bricoleur, le train là, Thomas le train là, comment il s'appelait? Ouais si, Thomas le train, je crois il s'appelait. Thomas le train. Ah, les cités d'or, ça c'était l'âge de ma sœur, j'aimais pas du tout. Les cités d'or. Je vais pas réussir. Moi, je vais réussir. Je vais pas réussir. Moi, j'ai jamais aimé ça aussi. Réussir. T'avais Oh, plein de trucs. Bref, attendez, je continue sur Nickelodeon. Ensuite, sur Nickelodeon. Alors non, je crois que c'était pas sur Nickelodeon. Mais dès que j'ai... à la même période, les gars. Alors là, et ça, vous allez comprendre pourquoi j'avais une sœur. Les gars, j'avais une sœur. J'avais une sœur, forcément. J'avais une sœur, les gars. Et le dessin animé préféré de ma sœur, c'était ça. Et ça, les gars, les Totally Spies, j'en ai bouffé sa mère. Les Totally Spies, j'en ai bouffé, mais bouffé, mais bouffé sa mère. J'étais amoureux de la blonde, frère, quand j'étais petit. Mais je pense que les coups de téléphone, ça venait de... Et la meilleure, c'est elle, ça. La roue, ça est trop forte. Ah, j'aimais trop, frère. Ensuite, à cette même période, les gars, où je regardais Nickelodeon, là, je pense pas beaucoup de... Alors, ceux qui ont la rêve, vous êtes vraiment des anciens. Les gars, Ned. Est-ce qu'il y en a, ils connaissent Ned? Dans un collège fréquenté par des brutes, des profs déjantés. Avec des déjeuners gore à la cantine. Ned Bigby, c'est moi. Et mes deux meilleurs amis, on va tenter l'impossible. Créer un guide qui vous aidera à survivre en milieu hostile. Exceptionnel. Et ça, c'est vraiment le cliché des dessins animés américains. Tu sais, dans les collèges, avec les casiers verts, où t'as un mec qui s'appelle Parker et qui dit « Hey Ned, alors gros loser, comment tu vas mec ?» Il te mettait la tête dans le casier. Alors, c'est à Beverly que tu parles. Tu comprends que c'est ma copine. Espèce de loser. Et après, il lui tirait son slip sur la poignée. Espèce de petit loser. C'était vraiment ça, genre, ce dessin animé. C'était vraiment ce genre de truc, genre. Ah mon dieu, les gars. C'était vraiment ce genre de dessin animé américain, genre. C'est trop grave. Aïe, 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 c'était exceptionnel, hein. Le guide de survie de Ned. Ça, y'a pas beaucoup de gens qui regardaient, parce que moi, je me souviens que dans mon école primaire, je disais, ouais, les gars, vous avez vu le dernier épisode de Ned et tout, il se passe ça, et ils me disaient non. Personne connaissait. Y'avait quoi d'autre sur Nickelodeon? Sur Nickelodeon, y'avait... Qu'est-ce que je regardais d'autre sur Nickelodeon? Je regardais... Bah, du coup, y'avait Mes parents sont magiques. Mes parents sont magiques, je regardais à la mort. Ça, c'était vraiment... Pff, oh oui, la sœur, elle croyait qu'ils étaient pas magiques et tout. Oh là 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 là. Mes parents sont magiques, les gars, ça a traversé les époques. Dites-vous que ma sœur, elle regardait Mes parents sont magiques. Vous, vous regardiez Les parents sont magiques. Moi aussi, je regardais, c'est vraiment... Oh, la ferme en folie, mec. Otis. À tout à l'heure. Otis. Champ libre. Lui, là, lui, il s'appelle Otis. C'était incroyable. Ah ah ah, d'accord. Aïe. C'était trop bien. Ouais, les bikers de ouf. Oh mon dieu. Les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars. Nickelodeon, je regardais ça, il y avait quoi d'autre? Le Dinotrain, ça me dit rien. Ah, c'est... Attends, c'est pas le truc sur une île, genre une île un peu avec des animaux? Mec, c'est ça que je cherche. Depuis tout à l'heure, je réfléchis, j'allais dire, ouais, les gars, c'est quoi le truc avec des animaux sur une île? Mais je crois que c'est ça. Attends, est-ce que c'est ce que je pense? Ouais, voilà, en fait, regardez, moi, mes parents, ils avaient CanalSat, en fait. Et c'est pour ça qu'avec CanalSat, t'avais Pee-Wee Plus, t'avais Nickelodeon, t'avais Disney Channel et tout. Oh, c'est ça! Elle entend soudain un petit quelque chose. Waouh, mec! Quand leurs œufs sont trop étroits,
Mec, j'étais amoureux de la daronne, la L, là, la daronne oiseau. Oh non, Tini, Lily, Théo. Et Tini s'écrit. Hé, c'est pas fini. L'étrange dernier avait un drôle d'air. Des dents, une queue, de grands yeux verts. L'affaire, à vrai dire, posait question. Suis-je vraiment un bébé pteranodon? Alors la main. Zoophile, mais allez vous faire enculer, frère, c'est une meuf. C'est une meuf, après c'est un oiseau, mais quand t'es petit, tu kiffes. Mandat ton sincère. Oh, oui, c'est ta famille et je suis ta mère. Et même si on n'est pas les mêmes, on est tous des dinosaures quand elle même. Elle était trop gentille, frère. Viens, mon Samy, on plie bagages. Je prends le billet ou partons en voyage. On va rencontrer sur notre chemin bien d'autres espèces sur le dino-train. Dino-train, 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 dino-train. En dino-train. Mec. C'était exceptionnel. Mais vous savez que les gars, les mecs qui ont créé ça, la Craig Bartlett, les gars, ils doivent être tellement riches. Ils doivent être tellement riches. Trop aussi, je regardais, mais ça, c'est vraiment quand t'es bébé. Monstre contre Alien. Et maintenant, Nickelodeon et DreamWorks présentent Monstre contre Alien. Monstre contre Alien. C'est nous contre tous. L'ennemi contre l'ami. Que des gens. Je regardais pas perso. Par contre, là je viens de voir un classique hein. Alors ça les mecs, ça c'est du classique qui classique hein. Oh là 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 là. Shuriken School frère. Là. Après, il y avait quoi? Il y avait. Ah oui, à cette époque-là, il y avait les lapins crétins. C'était le prime des lapins crétins. Mais là, voilà, moi, c'était à peu près ça. Genre vers 6-7 ans, c'était à peu près à cette époque, je regardais tout ça. Après, j'ai commencé à regarder d'autres trucs. Genre Tortue Ninja, Les Zinzins de l'espace, un peu plus tard. J'ai commencé à regarder quoi? Foot de rue, énormément. Je regardais. Inspecteur Gadget. Mais ça, c'était plus vers 10-11 ans, tu vois, genre... Enfin, non, 9-10 ans, quoi, à peu près. Et les gars, putain, même en termes de films, vous savez qu'en termes de films, il y a des classiques, hein. Moi, les gars, un film que j'ai vu, et je sais pas pourquoi je m'en souviens... Attends, comment il s'appelait, là? Ça s'appelait Les Rois de la Glisse. Les gars, et après, moi, quand j'étais petit, faut savoir qu'en gros, quand j'étais petit, dans ma chambre, mes parents, ils m'avaient mis la télé, genre quand j'avais 8 ans. Et j'avais une télé, mais je dois encore l'avoir chez ma daronne, c'est une télé où, en gros, t'avais un lecteur CD dedans... Et j'allais au... Oh mec, attends. J'allais au vidéoclub de Nogent-sur-Marne, frère. Mec, je suis repassé devant il n'y a pas longtemps, les gars. Je suis passé devant ce truc il n'y a pas longtemps. Attends, comment ça, vidéoclub? Attends, comment ça s'appelait? Ça s'appelait... Mec, comment ça s'appelait? Le... Les trucs où tu louais les CD, là. Putain, mec, ça s'appelle pas un vidéoclub. Ça s'appelait comment? Bah wesh, ça s'appelle un vidéoclub. En fait, ça doit même plus exister. Cassette sur DVD. C'était à côté du cinéma, exactement, c'était genre là. Ça doit être ça, hein. Mec, comment ça s'appelait? Comment ça s'appelait, frère? Eh, je sais plus, mais bref. En gros, il y avait un truc où tu pouvais louer les films, genre... Et ouais, ça existe plus, mais malheureusement, ça existe plus, frère, c'est dommage. Mais genre, c'était trop incroyable, frère, t'étais là, t'allais louer un DVD, et après, tu rentrais chez toi, tu le mettais. Tu le mettais. Et du coup, moi, j'avais loué ça une fois, et les gars, ce film, je sais pas si vous avez la ref. Les gars, ça là... Interview de Cody Maverick. Première. Ce film, je pense sincèrement. Et en fait, moi, quand j'étais petit, quand j'aimais un film, je finissais le film, je le re-regardais. Je finissais le film, je le re-regardais. Et genre, ce film, je pense, je l'ai vu legit 100 fois. Premier degré, je rajoute même pas, je l'ai vu au moins 100 fois. Ok, qu'est-ce que vous voulez savoir sur moi? Comment vous avez atterri ici, sur l'île de Pingou? Les gars, bah, c'est tellement le meilleur film. Ici, à qu'on se les pèle. Son patelin, ça craint, mec. Ça n'a pas été facile pour lui de grandir. Il n'a jamais vraiment. Il y a un 2. Ta gueule. Ta gueule, il y a un 2 de ça? Mec, les rois de la glisse 2. Quelque chose d'énorme se prépare à Pingou. Ne jamais rien lâcher pour rester toujours, toujours au top. Le kiff, man.
faites du bruit pour les Hang Five. L'équipe de l'extrême, les surfeurs de globe, les viveurs de rêve. Ils sont là. Arrête, wow. Je l'ai pas vu. C'est en les voyant surfer que j'ai trouvé ma voix. Alors les mômes, bien ou bien? Vous êtes... T'es trop esquelant comme surfeur. Sony Pictures Animation et WWE Studio présentent Jesse Undertaker. Mais mec, c'est quoi ce crossover de ouf? Mais quoi? Hunter Page. Mais c'est quoi ce crossover de malade? Mahon. Avec Cody et ses amis, ils vont passer l'épreuve ultime. La conque va nous guider jusqu'au spot de surf le plus mythique de la planète. C'est un cimetière de surfeurs. Mec, Undertaker! Surfer les vagues les plus dangereuses de la planète. Il faut pas juste surfer cette vague, il faut aussi survivre. C'est ma chance de quitter les plages de Pingu et de faire quelque chose de ma vie. Wow. Ils vont leur apprendre. Mec, si vous faites un wipeout, vous finirez en nuggets extra croustillants. Oh, man, mec, je veux voir ce film. Je suis pas au menu. À dépasser leur peur. Oh, moi je regarde pas. C'est le moment qu'on attend depuis toujours. Mais les gars, je veux le voir tout de suite. Et à travailler en équipe. On veille les uns sur les autres, toujours, quoi qu'il arrive. Les rois de la glisse 2. Flexion et abdos. Il est sur Netflix. Le bloc de Pierre Géant. Mais arrêtez, mais empêchez-moi de faire ça. Empêchez-moi de live pendant 1h24. Mec, il est sur Netflix. Frérot, je vais tout... Ah. Mon profil Netflix, il s'appelle Les Golemons. Oh là là, je veux voir, je veux regarder ce film. Je vais regarder ce film. Non, mais je vais tout baiser. Mais non, les gars, mais je vais tout baiser. Non. Non, les gars, on va le regarder en live. On va le regarder en live, mais pas aujourd'hui, mais on va le regarder. Mais les gars, c'est trop... Mais en tout cas, ce film-là, là... On connaît son père. Je suis pas le seul jeune de l'île à avoir C'est trop père. Bien, ouais, les planches, c'était des... Putain, son père et tout, frère, les planches, c'était du... Ah, vous savez, Docteur House, je regardais Mini Justicier vite fait, Alerte Cobra, j'aimais pas. Il joue dans l'eau à longueur de journée, il fuit ses responsabilités. Il faisait que surfer, frère, avec de la glace. Attendez. Ma baleine est en arrivée. En fait, je trouve que ce film, il était trop bien fait. J'allais pouvoir leur montrer à tous que j'étais capable de gagner la plus grosse compétition de surf. C'est trop bien fait, frère. C'est ton jour de chance, tu es de la partie. Pas bon, bien fait. Quelqu'un peut s'occuper du poulet. Et ouais, il finit sur une baleine et il arrive sur une île. Oh là là. Et Sony Pictures Animation nous présente l'incroyable histoire. La poule. Yo man, la poule, c'était trop un de bon. Cody Maverick. Ça va être du délire. Je ferai une cassette parce que vous allez vous la passer en boucle. Et là, il tombe et tout le monde fout de sa gueule. Son meilleur copain, Chicken Joe. Waouh, ça va être fun. Je le sens dans mes nuggets. La plus cool. Je crois que c'était la voix d'Omar Sy en plus. Sauveteuse, Lani. Je me noie. Tiens bon, j'arrive. Ah ouais, c'est ça, c'est sa meuf, ça. C'est la troisième fois que je dois te ranimer cette semaine. Je doute que ce soit très bon pour ton cerveau. Et Tang, l'invincible. Ah ouais, et lui, le mec trop fort qui se fait baiser à la fin. Fais nourrir les poissons avec ta tête. Que du bec. Vous verrez qu'il ne suffit pas d'être fort. Paix sur la base. Lui, fou la haine, dis-le. La poule d'aller jouer ailleurs. Oh, ça fait du bien. Tu veux pas un peu t'occuper de mes fessiers? Pour comprendre ce que signifie... Être un champion. Wouhou. Tu crois qu'on surfe avec ça et pas avec ça? Et lui, un c'est l'Orient. C'est quelqu'un qui ne m'éjecte pas de ma planche de surf. Tant que c'est vraiment pas un champion. C'est rien qu'une grosse poubelle pleine de caca. Les rois de la glisse. Les gars. Ça, c'était du film qui filmait. Hein. Ensuite, il y a eu quoi d'autre comme film que je regardais en boucle? Il y avait ça. Kung Fu Panda, les gars. Kung Fu Panda, les gars. Et sachez que je les ai re-regardés là, entièrement. Parce qu'il y a Kung Fu Panda 4 qui est, allé voir aussi, qui est sorti au ciné. Du coup, je suis allé le voir. Et du coup, j'ai re-regardé tous les Kung Fu Panda. Et les gars, c'est exceptionnel. Le 1, il est incroyable. Et le mieux, c'est le 2, les gars. Le 2 est incroyable. Le 3, il pue des fesses. Et le 4, là, qui vient de sortir, il est vraiment lourd. Mais aïe, 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 les gars. Kung Fu Panda, c'était incroyable. Moi, attends, quand j'allais au vidéoclub, je prenais quoi? Putain, je me souviens, parfois, je prenais des DVD et une fois que j'arrivais chez moi, je disais, putain, c'est un Blu-ray, je peux pas le lire et tout. J'avais trop la haine. Non, je regardais énormément. Je me souviens, je louais à chaque fois le coffret de Kirikou, frère. Oh, Kirikou, les gars. Oh là là. Non, mais ça...
Jamais aimé. Ah, moi j'aimais trop l'ambiance calme. Kirikou, c'était trop bien, frère. Kirikou. Mais en fait, c'était glauque. En fait, je trouvais que Kirikou, c'était glauque. Ça faisait trop peur. Genre, Karaba, vraiment, premier degré, elle faisait trop peur. Mais il réfléchit. Kirikou est petit, mais il réfléchit. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Mais il est vaillant. Merci, Kurama. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Mais il est vaillant. Oh là là. Non mais quand il pense, le mec qui a eu l'idée de ce truc. Oh mais je me souviens de cet épisode, les hommes et les femmes. Mais c'était le film. Mais c'est ça que j'avais. C'est ça que je louais. Oh là là. Et je me souviens même à la fin, il devient grand, il est en couple avec Karaba. Oh lui, c'était tellement bon. Il rentre avec Karaba là. Mec, ça faisait trop peur. La puissance de Karaba entend qu'on joue plus fort. Mec, ça faisait trop peur. Entendre. Ça faisait tellement peur, je vous jure, Karaba faisait trop peur, sa mère. Mec, elle faisait tellement peur. En fait, ce dessin animé, il était super calme. Et en fait, il y avait vraiment peu d'ambiance, il n'y avait pas de musique. C'était pas fun, ça faisait vraiment peur en fait. Alors que quand tu regardes tous les dessins animés et tout, dans Bob l'éponge, frère, le nombre de petites musiques qu'il y avait et tout, ça faisait trop peur, frère. C'était super monotone, genre. Wesh, la petite beauté de ouf. Elle aussi, elle me faisait trop peur, là, elle, là, qui était grave longue. Et elle, elle était trop gentille, là, un peu la tata, là, un peu ce gros. Oh là là, les gars, c'était trop incroyable. Ce chacal ne fera qu'une bouchée de toi. Le plat de résistance. Ah ouais, lui, frère, le yeuve. Qu'est-ce qu'il était bien, Kirikou, frère. Toi, tu es venu me sauver. Oui. Par les pouvoirs. Oh là, non, lui, les gars. Oh, est-ce que vous vous souvenez de lui, là? S'enfuit? Non, il est paralysé par les pouvoirs. Ça y est, les fétiches le tiennent. Il résiste. Il résiste bien pour son âge. Je te demande pas tes impressions. Oh là là, les gars. Ah, tout de même, le vieillard a cédé. Les gars, c'était le meilleur guetteur, lui. Hein. Il n'y a jamais eu de meilleur guetteur que lui. Les preneurs ne savent pas comment le prendre. Tous des incapables. Voilà, ils l'ont bien à main. Il oh là là, les gars, mais lourd. Tous des paresseux. Et voilà un homme que Kirikou n'a pas pu sauver. C'est grave con, les fétiches. Et je fais quoi maintenant? Je ne veux pas retourner tout nu au village. Ce n'est plus de mon âge. Je vais te faire un boubou de feuilles élégant comme tout. Et mon chapeau? Elle m'a pris un deuxième chapeau. Je vais t'en encore faire un encore plus. Putain, les gars, Kirikou, les gars. Toi, tu vas... Sorcier. Qu'est-ce qu'ils ont? Son caractère. C'est notre... J'ai peur. C'était trop bien. Non, les gars, vous pouvez pas me dire que Kirikou, c'était pas exceptionnel. Kirikou, c'était exceptionnel, wesh. Moi, les gars, j'ai rarement vu des dessins animaux aussi bien que Kirikou. Hein. En fait, c'était grave profond, wesh. Après, il y avait quoi comme film que je regardais beaucoup à l'époque? Ah putain, un truc que je regardais à la mort quand j'étais petit, que je trouve éclaté, c'est ça. Pollux, frère. Non, mais pas le film, pas la série, parce qu'il y avait un film. Pollux, le film.
on fait des bêtises et l'envie. Je sais pas pourquoi j'ai un mauvais souvenir de ce truc, j'ai un souvenir super glauque. Pareil, après moi un truc que j'ai regardé énormément quand j'étais petit, c'est ça. Les gars, ma soeur me disait que ce film, je pense, elle m'a dit tu l'as regardé au moins 100 fois aussi. Elle m'a dit je faisais que le replay. Le film de Peter Pan. Pas le non, dessin animé, le film. Ça là. Il est temps que tu te décides à grandir. Ça les gars, c'était exceptionnel. Et s'il était possible de s'enfuir vers un monde lointain. Vous voulez de ça ou pas? Sans parents. Oublie-les Wendy. Oublie-les tous. Pars pour le pays imaginaire. Toutes les meufs, elles étaient amoureuses de Peter Pan. Sans aucune règle. Genre, vous allez voir. Sans personne pour vous dire ce que vous devez faire. Viens avec moi là où j'ai. Lui là. Jamais on ne t'ennuiera avec des histoires de grandes personnes. Les meufs, elles étaient amoureuses de lui. Jamais. C'est terriblement long. C'est trop bien fait, wesh. Vous souvenez pas de ça? Oh là là, les gars. Capitaine, la glace fond, le soleil perce, les fleurs sont toutes écloses. Le revoilà. Incroyable, franchement, ça c'était incroyable. Un film aussi que j'ai vu, que j'avais loué, je me souviens, au Vidéoclub, et que je voulais plus jamais regarder, c'était Spirit, parce que ce film, il m'avait fait pleurer de baiser. Wesh, ils ont fait une série. Oh, les sales chiens, ils ont fait une série, frère. Ça, là. Les mecs, c'était le film le plus horrible. Parce qu'en gros, c'était un film avec un... C'était genre un mec avec un cheval. Genre, c'était un gars avec un cheval. Et en mode, à la fin, le cheval... C'est pas il meurt, mais je crois il meurt pas, mais genre, il se retrouve... séparé, genre. Moi, je crois qu'il meurt. Les gars, qu'est-ce que j'ai pleuré sur ce film quand j'étais petit. Qu'est-ce que j'ai pleuré sur ça, frère. Yakari, c'est mieux. Ouais, Yakari, c'était incroyable. Oh là 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 là, les gars. Non, Spirit, j'avais pleuré comme un fou. Yakari, c'est vrai que c'était pas mal. Yakari, frère. Et c'est plus récent, ça. Enfin, je dis ça, mais... Yakari, Yakari. Il court vers son poney. Petit tonnerre, vif comme l'éclair. Petit tonnerre. Il fait très froid. Fais-moi confiance, Yakari. Les mecs. Je connais un abri sûr où tu pourras attendre... Alors là, je vais vous rappeler un truc super glauque, hein. Qu'est-ce que c'était glauque, sa mère la pute, ça. Waouh, c'est beau. Barbapapa, les gars. Un excellent point de départ pour notre recherche. Regardez, beaucoup d'animaux viennent boire ici. Là, ce sont les traces d'un troupeau d'éléphants. Observez la taille de cette empreinte. Après, autre truc, hein, les gars. Ça, grand classique, hein, je pense que tout le monde a regardé ça dans sa vie. Mais Dora, les gars, Dora l'exploratrice. Hein. Ça, je pense d'ailleurs, c'est même peut-être un des plus gros succès all time. Hein. Tu viens explorer avec moi, Dora. Dora. Ouais, moi aussi, je préférais Diego, mais il y avait plus d'épisodes de Dora. Mais Dora, les gars, c'était exceptionnel quand on était bébé. Hein. Moi, je regardais le matin aussi, parfois quand il n'y avait pas Bob l'éponge, je regardais ça. Dora l'exploratrice. Et ça aussi, hein. Les gars. Ça, c'était incroyable. Maison de Mickey. La maison de Mickey. Oh, bonjour, les amis. Ça va? C'est moi, Mickey. Oh là là. Vous voulez venir voir ma nouvelle maison? Oui. Ça me fait plaisir. Oh, les trucs où tu devais parler. Putain, qu'est-ce qu'on était des golemons. Mais qu'est-ce qu'on était des golemons, putain. On croyait vraiment qu'ils nous attendaient. Et un jour, je me souviens, je fais un truc, je fais un test. Tu sais, quand je commençais à grandir, je me dis, mais en vrai, c'est impossible qu'ils nous attendent.
Et Dora, elle dit un truc et je dis une connerie, genre je dis nique ta mère la pute. Enfin, je dis pas une insulte parce que j'étais trop petit, mais je dis un truc à la con. Et sur là, j'ai compris qu'elle me prenait pour un con parce qu'elle disait combien de grenouilles il y a ici? Et elle faisait ça. Et j'ai fait. Aaah! Et après, elle dit bravo, tu as dit deux. Qu'est-ce que j'étais con, frère. Je me dis putain, toutes ces années. Putain. Oh, j'allais oublier le principal. Ah oui, faut pour faire quoi déjà? Pour faire apparaître ma maison, il faut d'abord dire la formule magique. Ah oui, attends. Miska, Mosca, Mickey Mouse. Oh, ah, avec moi. Mec. Miska, Mosca, Mickey Mouse. Oh mais mec. Non mais brother. La maison de Mickey. La maison de Mickey. Maison de Mickey, maison de Mickey. Dingo, frère. Qui l'a fabriqué, Mickey? C'est magique, c'est fantastique. Qui l'a fabriqué, Mickey? Avec Donald, Daisy, ici, Dingo, salut, Pluto, Mini, Mickey. Bienvenue. Qui l'a fabriqué, Mickey? C'est fantastique, maison de Mickey. Oh mec, maison le bras. Le bras qui te montrait où était la réponse. Oh les gars. C'était exceptionnel. Ah vraiment, c'était... T'as les gars, on a grandi trop vite, hein, je vous jure. Hein. On a grandi trop vite, mec. C'est triste. Hein. Ah les gars, on a vraiment... Hein... Putain, qu'est-ce que je donnerais tout pour revenir à cette époque. Putain, les gars, wesh. Wesh, j'ai écrit Franklin Chanteneuil. J'ai lu ça, wesh. Putain, les gars. Oh, mec. Oh là là, frère. Juste le bruit du début. Le bruit du début que j'ai jamais su ce que c'était. Oh là là, les gars. Dites-moi que ça vous débloque un souvenir à tous. Ah, après, c'est vieux, ça. Hein. Ça, c'est vieux. Hein. Mais qu'est-ce que j'ai kiffé. C'est Franklin. Il est là pour jouer avec toi. En fait ça, je pense, en vrai, all time. Je crois que j'ai jamais vu un dessin animé aussi bienveillant, mec. Ses parents, ils étaient trop gentils. Lui, il était trop mignon. Ses potes, ils étaient trop gentils. Les gars, Franklin, c'était vraiment le dessin animé le plus bienveillant. Regarde le grand. Béatrice, mec, qu'est-ce que je la détestais. Des histoires, ils ont tout leur temps. Oh, mec, c'est ouf. En fait, c'est ouf de revoir des trucs, tu sais, qui sont gravés dans ton cerveau, dans ta mémoire, et quand tu les revois, t'as un électrochoc, mec. Ça, cette petite peluche, mec, un jour, il l'avait perdue, ou je sais plus quoi. Son doudou, mec. Pour toi. Et c'est Franklin. Chez toi. Et c'est Franklin. Il entre chez moi. Putain, les gars, c'est ouf. C'est ouf, hein, vraiment, de voir. Ah ouais, il y avait ça aussi. Alors elle me foutait la mort. Peppa Pig, là. Putain, Peppa Pig, frère. Ouais, j'ai des mecs qui stream Peppa Pig. You had other people to visit. Yes, we still got to see Susie. Tu sais que ça marche de baiser ça, bye, les dessins bye. Animés sur internet. Hang on, everyone. It will Je regardais ça aussi, ouais. Putain, exceptionnel. Aïe, 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 les mecs. Eh, non, il y avait trop de. Tom et Jerry. Ouais, Tom et Jerry, c'était pas mal, mais c'était vieux, wesh. Toy Story. Toy Story, moi, les gars, je vais vous le dire, j'ai jamais. Enfin, Toy Story, j'aimais bien, mais. C'était pas mon truc préféré. Genre, le 1, il était bien, parce que je kiffe. En fait, moi, je kiffais Buzz l'éclair. Mais Toy Story, j'ai trouvé ça vite surcoté, genre. Après, les gars, le meilleur Pixar of all time, hein, et il n'y a aucun débat, c'est Cars. Hein. Ah, les gars, Cars. Ah, les gars, Cars, il n'y a rien. Il n'y a rien de plus. Hein. Ah, les gars, Cars, je veux rien savoir. Il n'y a pas de meilleur film Disney que ça. Hein.
C'est Cars, quoi. Cars, les gars, sérieux. Je les ai re-regardés il y a pas longtemps. Et attends, je suis une fraude si j'ai jamais vu Cars. Mais mec, qu'est-ce que t'attends? Mets-toi sur Disney+, tu regardes tous les Cars, tu vas sortir, tu seras un autre homme. Tu te rends pas compte, frère, à quel point Cars, c'est vraiment le Pixar of all time. Hein. Y a vraiment rarement eu mieux que ça. Hein.